de ne pas tout faire foirer. Tu ne vas pas, tu sais, me gronder ? Non. Je suis soulagé de te voir sain et sauf. D'accord. Quoi ? Je devrais m'enfuir plus souvent. Atreus. Je plaisante. Pardon. Alors, d'où vient ta nouvelle lance ? Brock l'a fabriquée, à partir de Dropnir. Et ça, c'est quoi ? C'est un anneau. Mais quelle est son histoire ? Je l'ignore. Tu n'étais pas là pour poser la question. Atreus. Il doit juste avoir peur. Il a été enchaîné pendant très longtemps. Ne lui fais pas de mal, d'accord ? Une créature effrayée peut être très dangereuse. Je sais. Doit traverser avant qu'il ouvre d'autres brèches de royaume. Wow, le pouvoir du vent, génial! T'as dit de libérer cette créature. Hein ? Non ! Pourquoi ? N'es-tu pas allié à lui ? Ce n'est pas ce que tu crois. Quoi qu'il t'ait promis, ne lui fais pas confiance. Je sais, mais il a quelque chose que je veux. C'est... c'est dur à expliquer. Qu'on monte. Et la glace nous barre la route. Je m'en occupe. Ça ne marche toujours pas. Je le vois. Depuis un autre angle, peut-être. Un point manqué. Le souffle de tes ailes. Oh!
C'est parti! Ce que tu as fait pour Odin, tu dis que c'est dur à expliquer. Pourquoi? Il faut que tu me fasses confiance. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... tu veux bien essayer? Que veux-tu obtenir de lui? Pourquoi ne peux-tu pas me le dire? C'est compliqué. Et toi alors? Pourquoi as-tu une nouvelle arme? Je croyais que tu ne voulais pas la guerre. Je n'en veux pas, mais... c'est compliqué. Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ceux qu'on aime. Et ne t'en fais pas pour Odin. Je ne retournerai pas là-bas. Je suis content de l'entendre. Une brèche de royaume. L'œuvre de Garm. Je crois que j'ai compris comment Freya les ferme. Tu peux éloigner les ennemis? Bien sûr. Dis-moi quand tu es prêt. Je parie que si on suit ces Éléens là-haut, on trouvera Garm. Mais ça... Merci d'être revenu avec moi. T'étais pas obligé. Je suis ton père. Je t'aiderai toujours, tant que j'en serai capable. Oh, ça fait plaisir de l'entendre. Réponds. Que faisais-tu à Asgard? Je traduisais des choses pour Odin. Il a trouvé un masque et une brèche magique qui y est liée. C'est un peu... compliqué. Oui,
Mais j'ai rencontré des gens de mon âge. Des amis. Du moins, je crois qu'on est amis. Méfie-toi des personnes fidèles à Odin. C'est pas toujours mal de faire confiance. Cela obscurcit ton jugement. Peut-être. Mais j'en ai marre de me sentir seul. Atreus. Si on trouvait comment marche cette porte. D'accord ? Le rouage se bloque quand la porte est levée. Aucun. As-tu une idée ? On pourrait utiliser mes nouvelles flèches. Elles enchaînent les éléments. Je crois qu'il va nous falloir plusieurs sauts. Je dois réussir à faire circuler le gel autour de la porte. On pourrait utiliser mes nouvelles flèches. Elles enchaînent les éléments. On pourrait utiliser mes nouvelles flèches. Elles enchaînent les éléments. Aucun. Sur la gauche. Le voilà. Vu ça, il réduit le royaume en pièces. Allez, il faut qu'on l'arrête. Je vois une encoche dans le pilier, là où tu devrais pouvoir loger ta lance. Mais à partir d'un meilleur angle. Ennemi sur la gauche! Sa garde!
Odin ne souhaite pas le Ragnarok. Je sais qu'il n'est pas digne de confiance, mais... j'avais besoin de lui. Je veux pas non plus que le Ragnarok arrive. Je t'aurais dit. Je sais, mais... Hé, il est ici! D'accord, d'accord. Tout va bien, mon grand. Tout va bien. Du calme. Calme. Attends, vous voulez juste... C'est ici. Si Odin souhaite réellement empêcher le Ragnarok, alors nous sommes d'accord. Ah oui ? Alors c'est pourquoi cette lance ? Pour te protéger. T'as pas d'autre arme pour ça? Vagabond, j'aime pas les affronter quand ils sont en vie. Lance ta rage sur ce truc brillant. Vraiment éviter le Ragnarok. Alors dis-moi. Pourquoi la lance? Je me suis confié. À ton tour. Ça ne marche pas comme ça. Je suis ton père. Tu évites la question. Les flèches sigillaires ont l'air inefficaces. Je devrais pouvoir planter mes flèches dans le bois là-haut. Oh, God.
Allons-y. On approche. Tu me promets de pas le tuer, hein? Je ne fais pas de promesses, mais j'essaierai de ne pas tuer la bête. Une impasse. Mais il y a une encoche dans le mur. Ta lance pourrait s'y loger. On a peut-être raté quelque chose. Quel est ton plan ? J'improvise, au fur et à mesure. Mais ce n'est pas de Garm que tu parles. Tu ne peux pas tromper Odin. Jusque-là, j'y arrive. Tu es sûr ? Et maintenant ? Je vais tâcher de l'apprivoiser. L'apprivoiser ? Oui, j'ai déjà apprivoisé des loups. Tu gèles ses chaînes avec ta hache pour l'empêcher de fuir. Et tu les fixes à quelque non, chose. C'est trop dangereux. Ça peut marcher. Allons-y. Attends. Ah!
transformation. Odin t'a-t-il appris à la contrôler? Non. Nous n'utiliserons pas ce qu'il t'a appris. Nous le ferons à ma manière. Compris. Ça n'a pas marché. Tu ne l'as pas fait exprès, au moins. Que fais-tu de la confiance? Pardon, c'est pas juste. Mais je pensais que ça marcherait. Patience. Nous y arriverons. Je l'entends plus loin. Cette fois, suivons ma méthode. Et ta méthode, ça veut dire... Exactement ce que j'ai dit. Et si on essayait de... Nous avons le pouvoir d'empêcher cette créature de causer du mal. Il nous faut agir. D'accord. Pourquoi il est enfermé? On n'a pas marre.
Je regrette qu'on ait dû en arriver là. C'est de ma faute s'il a fui. S'il est mort. Parfois, nous n'avons pas le choix. Je sais. On peut rentrer maintenant. Atreus. Je sais. Je dois fermer mon cœur à la douleur. Encore une porte close. Les flèches sigillaires ont les lignes efficaces.
flèches sigillaires ont l'air inefficaces. Je disais que tu n'y croyais pas. Pas, les morts déferleront sur les royaumes. Ils s'effondreront. Tu dois apprendre à garder ton calme. J'ai peut-être appris que je m'en sortais mieux dans le chaos. Qu'as-tu appris d'autre ? Qu'on est plus fort quand on se fait confiance. Tu entends ? Où est-il ? Attention ! Ferons à ta façon.
combien de temps tu vas résister? Que s'est-il passé? On doit le retrouver. Viens! Bon, il a dû passer par là. Trouvons un autre moyen de monter. Qu'est-ce que tu as fait? À la maison. Le sort que tu m'as vu jeter quand Fenrir est mort. Sans le savoir, j'ai enfermé son âme dans mon couteau. Les âmes sont puissantes, alors j'ai pensé que Fenrir pourrait... changer sa nature. Oui, j'espère que ça a marché. Quand je t'ai trouvé à Midgard, avant que Freya nous attaque, tu as dit que tu devais me protéger. Pourquoi? J'ai vu une prophétie. C'était... mes bras. Oh. Je l'ai vu aussi, à Jotunheim. Quoi? Tu savais? C'est pour ça que tu m'entraînais si durement. Un jour, il te faudra survivre. Sans moi. Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Jamais. Tous les voyages ont une fin. Pas le nôtre. Pas comme ça. Tu m'as manqué. Et j'étais pas sûre que ça marcherait. On a réussi. Assis. Comment est-ce possible? C'est la magie des géants. J'ai appris quelques tours. À Asgard. Ça n'a rien à voir avec ça. Encore des secrets? Non. Une promesse. Et quelqu'un compte sur moi pour la tenir. Comme celle que tu as tenue à ma mère. Tu vois ce que j'accomplis quand j'ai ta confiance? Rentre! Prévenir les autres et planifier la suite. Alors, quand les Nantes t'ont dit que Heimdall allait essayer de me tuer, c'est à ça que sert ta lance, n'est-ce pas? Exact. Heimdall est une ordure, mais tu n'es plus ce genre de personne. Un tueur de dieux. Tu ne souhaites pas la guerre. Non, mais je ferai ce qu'il faut pour te protéger.
Aoka. Super, c'est ouvert. Si on utilisait les seaux pour geler le rouage là-haut. Père, si on peut se fier aux oracles, pourquoi leur poses-tu la question ? Quand ta vie est en jeu, je ne peux prendre aucun risque. Là, c'est Razvelger. Est-ce que je lui dis quelque chose ? Razvelger ! Garmulesa ! Quel coup ! Six brèches à refermer et de ne pas attendre, merci. Ces brèches n'auraient jamais dû être ouvertes. Elle n'a pas tort. Regarde. L'accès mystique a été enseveli. Je vous recharge. Qu'y a-t-il ? Je suis rattrapé par mes démons. La colère. La méfiance. Avec toi. Aujourd'hui et par le passé. Mais sans toi, j'ai fait preuve d'imprudence. J'ai été arrogant et j'ai commis des erreurs. J'ignore pourquoi j'ai cru que je pouvais y arriver seul. Tu avais raison. Non. C'est moi qui n'étais pas prêt. T'es pas obligé de redevenir l'ancien toi parce que je suis plus là. Faisons-nous une promesse. J'écouterai ta voix dans ma tête en ton absence. Elle me guidera. Et tu en feras de même. Tu es d'accord ?
J'ai besoin d'être sûr que tu iras bien sans moi. Ne sois pas désolé, père. Sois meilleur. Rentrons à la maison. Être effacé. Souviens, nous ne devons pas laisser les prophéties dicter nos choix. Alors nous façonnerons notre propre destin. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant qu'on retourne chez Sindri ? Non. D'abord, nous allons chercher Mimir. Tu nous diras ce que tu as appris à Asgard. Ensuite, nous verrons. Tu le vois vraiment comme un frère. Et Freya ? On dirait qu'elle s'est installée en mon absence. Sa haine redirigée contre Odin, elle a fini par comprendre que nous avions des intérêts communs. Oh. J'avais essayé de l'en convaincre, mais... Quand était-ce ? Oh, avant que je commence à te dire où j'allais la nuit. Je vois. Hé, on ne m'a pas tué. Je n'ai rien dit. Vous revoilà. Tout s'est bien passé ? La bête ne devrait plus nous déranger. Oh, c'est un sacré soulagement. Et cette vieille carne de garme est finalement refroidie ? Oui, en quelque sorte. Atreus, que tu sois allé à Asgard après tout ce qu'il nous a fait subir, jamais je ne pourrai le comprendre. Mais j'ose espérer que tu nous rapportes quelque chose d'utile. J'espère aussi. Approchez, que je vous montre ce que prépare Odin. Ce qui l'intéresse plus que toute autre chose, et plus encore que le Ragnarok, c'est ce masque. Quelqu'un le reconnaît ? Cette chose ? C'est une impasse. Il perdait déjà son temps avec ça bien avant que je le connaisse. À dire vrai, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une mauvaise blague des géants. Bon, d'accord. Non. Tu te trompes, Mimir. Ce masque est réel. Les géants ne l'ont pas conçu, et ils ne sont qu'une poignée à l'avoir aperçu dans leur vision. On ignore son origine, mais certains pensaient qu'il permettait de contempler les secrets de la création elle-même. Est-ce un oracle ? Bien plus que cela. Imaginez que vous puissiez fusionner avec la source d'un savoir infini. C'est pour ça qu'Odin m'a torturé. Alors qu'en penses-tu ? Tu le connais ? Non. C'est une obsession dont il n'a jamais daigné me faire part. Mais sachez une chose. Même lorsqu'Odin énonce une vérité, il dupe celui qui l'écoute. Quoi qu'il en soit, nous aurions tort de nous laisser distraire. Heimdall n'est-il pas notre seul objectif ? Nous réécrirons notre destin autrement. Alors je retourne à Vanheim. Si nous n'allons pas affronter Odin, j'aiderai au moins mon frère à se dresser contre lui. Nous la rejoindrons le moment venu. –
Père, je vais étudier mes notes sur le masque et réfléchir à un plan. Mais si tu veux aller quelque part, je t'accompagne. Écoutez, je voudrais vous dire, je suis vraiment désolé d'être parti comme ça. Vous savez que je ne vous ferai jamais de mal intentionnellement. Bien, quand on se change en ours par accident... Alors, est-ce que vous me pardonnez? Bien sûr, tu ne t'en fais pas, ma petite. Sindri? Je finirai bien par là. D'accord, je m'en contenterai. J'espère que vous me pardonnerez de rester en retrait pendant l'assaut des Eléas. Quelles que soient mes réserves quant à la violence, elles ne devraient pas entrer en compte lorsque votre foyer est attaqué. Et attends, on va te suivre. Génial! On va rejoindre Freya? Oui. Content d'en être cette fois. Que s'est-il passé à Vanaheim? J'ignore toujours comment tu as convaincu Freya de t'épargner. Nous sommes allés à son village briser le sortilège d'Odin. Une fois libre, elle a compris que je n'étais pas son ennemi. Et je crois que tu aurais aimé voir Brock cul par-dessus tête au beau milieu du camp de Freyr. Vous avez rencontré Freyr? Comment est-il? Différent de sa sœur. Il manque de conviction. Exact. Mais il est plus prompt à pardonner. C'est un dirigeant incompétent. Mais il est plein de bonnes intentions. Il te plaira, petit. Waouh. C'est magnifique. Et, mouillé. Et surtout dangereux. Plus dangereux que elle ? Le camp de Freyr est sur la droite. Doucement! Ce n'est pas tous les jours que le petit découvre un nouveau royaume. Au camp de Freyr, alors. Allons voir ce qu'ont accompli les Vannes en notre absence. J'espère que Freya va bien.
Elle n'a besoin de personne. Mais on va quand même la voir. Son frère n'a pas assez d'hommes. Et j'ai une dette envers elle. Peut-être tout droit. Peut-être tout droit. Cela me rappelle un vieux chant de Vanheim. Ces déserts, où sont-ils tous passés ? Sois sur tes gardes. Je n'aime pas ça, mon frère. Kratos ? Atreus ? En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais ? Impossible ! Est-ce bien qui je crois ? Oh, espèce de vieux pourceau ! C'est presque bon de te revoir. Et pour une fois sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement. Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur borgne lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton œuvre ? Ils disent Vini ! Tu te souviens du jour où nous avons rencontré Freya ? Après que j'ai... Oh ! Je suis vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. Son associé. Et son ami. Conseiller d'Evan. En effet, lors de mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche, ma responsabilité. C'est oublié. Vanheim a grand besoin de notre aide. Même de... celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite de pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous ? J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. Où est Freya ? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneriars ont capturé Freyr et Bigvir. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé ? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur leur fresque. Leur fresque. C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche ? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skoll et Ati, c'est bien un autre géant. Très bien. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Je crois qu'elle disait vrai. Vous trouverez leur tanière dans cette direction. Bonne chance.